Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tanière de Damien et aujourd'hui on va faire une petite revue de tous mes Space Wolves et des objectifs à venir. Attention, c'est parti. Bon bah voilà, hein, ça c'est toute mon armée de Space Wolf, c'est des années et des années de collection. J'ai commencé il y a très longtemps, j'ai tout simplement chiné le bon coin pour essayer de trouver des bonnes affaires, parce que je peux malheureusement pas tout le temps acheter neuf à Game Workshop, voilà. Même si j'essaye la plupart du temps d'acheter les pots de peinture, etc. Au Game Workshop qui est le plus proche de chez moi pour faire vivre le petit commerce, quoi, là où je vais avoir de bons conseils, etc. Le but étant de faire un point, on va dire dans 6 mois, pour voir où est-ce que j'ai avancé au niveau de la peinture et où j'en suis. Sachant que je publie cette vidéo, je me force aussi à essayer de tenir mes objectifs auprès de vous. Voilà, donc si vous voulez suivre l'évolution de mon armée de Space Wolf, eh ben, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. L'un des points les plus importants va être le soclage. Parce qu'en fait, pour ma part, je trouve qu'une armée de figurines Warhammer, évidemment peint, c'est 10 fois mieux à jouer. Mais même s'il n'y a pas les finitions, je sais pas moi, au niveau des épaules, des stickers ou quoi, le fait que les figurines aient toutes le même socle rend l'ensemble vachement harmonieux. Donc pour moi, le principal va être de socler, de faire les mêmes socles pour toutes les figurines, tous les loups, etc. Et ça aura déjà une autre gueule. Même si j'ai pas fait les finitions au niveau des dents, des épaules, des armes ou quoi, au moins ça sera joli et ça sera jouable largement. Voilà, quand même, un personnage avec un socle, c'est quand même beaucoup plus stylé. Surtout un socle travaillé comme Enjal. Voilà, j'ai aussi fait Arjak. Un perso avec un fluff que j'adore. Avec une histoire vraiment stylée. Le but et l'objectif que je me suis fixé, c'est ça en fait. On a un Space Wolf que j'ai retravaillé, j'ai refait quelques détails, je l'ai soclé, j'ai peint le tour du socle en noir et j'ai mis de la neige. Et ça, c'est un Space Wolf que j'ai acheté d'occasion. Donc il faut que je retravaille les épaulettes, un petit peu la peinture. Mais une fois que je l'aurai mis de la fausse neige et que j'aurai repeint les épaulettes
avec quelques détails, ça sera tout de suite beaucoup plus stylé. Sur le gangrimmer, il faut que je retravaille le socle parce que ça, c'est un socle basique que j'ai fait il y a des années. Maintenant que j'ai évolué, je vais le détacher, je vais lui faire un socle vraiment stylé, quoi. Comme par exemple. Angel. Donc, quand tu vois débarquer Angel sur son socle, et à quel côté tu vois Logan Grimmar sur un socle un petit peu pété, je te dis que tu peux vraiment faire quelque chose qui va sublimer la figurine encore plus, quoi. Parce que franchement, une figurine peinte. Tiens, je te prends l'exemple, regarde mon Ulrich. Ulrich, je dois le retravailler encore, il y a pas mal de petites retouches à faire, mais le fait qu'il soit pas soclé, ça fait dégueulasse, quoi. Donc voilà, le gros travail du socle. Rien que le fait de l'avoir soclé, ça. C'est tout de suite beaucoup plus classe. Donc j'adore peindre les figurines, mais j'adore aussi beaucoup les socler pour leur donner de la vie, quoi. Au niveau des héros, je remercie plus particulièrement AS Miniature, et notamment le GOP, son concours de peinture, qui m'ont redonné un coup de boost. Grâce à lui, j'ai fait trois personnages. J'ai fait Angel, j'ai fait Harald, et j'ai fait Arjac. Et j'ai vraiment pris du temps, j'ai eu de bons conseils dans le groupe, etc. Ça m'a vraiment motivé à peindre. Alex, de AS Miniature, un grand merci à toi parce que tu m'as donné beaucoup de motivation. Si je dois remercier aussi des chaînes, et si vous devez aller les voir, c'est Creative Wargame, French Wargame Studio, AS Miniature. C'est vraiment les trois chaînes que je regarde très souvent pour la peinture, les rapports de bataille, savoir ce qui se passe au niveau de Warhammer 40 000. La prochaine fois que je pourrai monter voir mon frère qui est dans le sud de Paris, je vous ferai une review de son armée de Blood Angel, qui est, comment dire, exactement à la même taille que la mienne, pratiquement. Donc on est dans les 12 000, 13 000 points de Blood Angel. Donc si j'ai l'occasion, j'irai pour vous faire une super vidéo là-dessus. Vous verrez, il a des figurines au top. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube, La Tanière de Damien. Donc j'y parle de sport et de modélisme. Et au niveau de modélisme, c'est surtout Warhammer 40 000. Si vous voulez me poster des photos de votre armée en gros comme ça sur une table, c'est avec plaisir que je les montrerai dans une prochaine vidéo. Et si on peut se mettre à se motiver tous pour peindre et jouer à Warhammer 40 000 avec des armées peintes, c'est mon objectif principal, ben, j'en serais très heureux. Je pense que cette revue de mon armée Space Wolf au 1er novembre 2020 est terminée. Normalement, j'ai rien oublié. Il y a peut-être un ou deux loups qui se cachent dans les grottes du Croc, ça on n'en sait rien. Et n'oubliez pas, jouer à Warhammer 40 000 c'est stylé, mais avec des figurines peintes, c'est encore mieux. Allez, ciao !